Bonjour à tous, aujourd'hui je viens enfin de terminer mon pull, 6 jours passés. Le voilà, donc c'est la taille S. J'avoue que moi je voudrais plutôt avoir la taille M, mais j'ai pas réussi. Enfin, j'avais pensé que ça allait être trop grand. Au final, bon, il n'y a que 4 mailles en même temps qui diffèrent à une taille de l'autre, donc je pense pas que ça ferait une grande différence. Je suis très contente au niveau de ce joli motif que je vous ai déjà d'ailleurs présenté dans une de mes vidéos. Je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas du tout vous présenter comment j'ai tricoté ce pull, enfin comment il se tricote. Je vais tout simplement vous raconter un petit peu comment je l'ai tricoté en bref. Donc voici les coutures qui sont sur les côtés. Si j'avais fait de l'autre côté, ça aurait été pareil, sauf que ici on les voit un petit peu moins puisque c'est le côté en vert de Point Jersey comme ils l'ont appelé dans la brochure. Vous avez le col bateau, bon c'est... niveau difficulté, c'était marqué à avancer. Je pense que ça pourrait aller même pour intermédiaire. Sauf que j'ai eu un petit peu de complications au niveau de la notice. J'ai pas tout bien compris. J'ai dû refaire à ma manière. J'ai également cousu du fait main ici. Voilà. Donc, juste pour montrer que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et voilà, donc le pull, hein, comment je l'ai fait? Bah, je l'ai fait avec la laine que je vous ai présentée également dans ma vidéo. C'était la laine Alpaga de chez We Are Knitters qui m'ont envoyé. Donc j'avais tricoté en fait les difficultés que j'ai eues, puisque je vous ai dit que j'allais vous les exposer. J'ai dû m'en faire pour moi-même mon propre résumé, sinon ça n'allait pas du tout pour moi. En fait, voici la notice où j'avais eu pas mal de complications. C'est-à-dire que donc il fallait monter 100 mailles pour la taille S, pareil pour la taille M, je ne vais pas dire pour toutes les autres tailles. J'ai monté les mailles de premier rang à 10e. Durant 1 à 10, je devais tricoter un point élastique, comme on les appelle, donc un point de côte 1 sur 1 en fait. Et puis à partir du rang 11, j'ai dû tricoter un point de jersey, comme ils appellent ça en vert. Moi, j'aurais juste appelé point de jersey et j'aurais fait utiliser le côté en vert. Bref, voilà. Ensuite, il fallait faire des augmentations que j'ai fait... dans le 11e rang, 12e j'ai tricoté par Emo, 12e j'ai tricoté toutes les mailles à l'endroit, et puis ensuite en fait durant 13 au 32 il fallait suivre en fait les indications. Voilà, c'est ici que ça s'est compliqué. Donc du 13 au 32 il fallait tricoter un point de jersey en vert suivant les instructions suivantes, donc que je n'ai pas pu suivre en fait. C'était un peu trop compliqué, ça ne correspondait pas tout à fait avec ce que je tricotais. Du coup je me suis dirigée vers le schéma qui est là, que je vous ai d'ailleurs présenté selon lequel j'ai tricoté dans une de vidéos. Tout simplement que je me suis fait un résumé ici. En fait, je me suis écrit un peu comment je devais faire, quel rang. Et tout ça, en fait, je devais refaire, répéter du 13e au 32e rang pendant, moi j'en ai fait 2, 4, 6 répétitions. Alors que selon la notice, il fallait que j'en fasse 1, 2, 3, 4 répétitions et demie. Donc, vous pouvez imaginer que j'en ai augmenté de 2. Répétition qui fait énormément de rajouts, parce que tout simplement selon leur écrit en fait il fallait que je m'arrête au rang 133, sauf que moi j'en ai fait 192. Franchement c'est énorme, tout simplement parce que moi j'avais comparé avec les mages qui étaient présentées sur le site et j'avais dû compter en fait les rambes pour savoir à peu près la taille de pull que faisait sur la fille. Sinon c'était impossible. Moi c'est la taille qu'il fallait que je m'arrête, bah ça faisait à peu près ça, un petit peu plus bas, donc c'était un peu plus bas que la poitrine, donc c'était pas du tout la bonne taille. Concernant le dos et les manches, tout correspond tout à fait et très bien. Donc c'est à dire qu'il fallait que je monte 86 mailles pour le dos et que je tricote du premier au 10 rang en point de côte, donc point élastique encore une fois appelé ici, et à partir du rang 11 jusqu'à rang 126,
je devais tricoter un point en vert, un point de jersey en vert. En fait, si vous voulez un point de jersey, vous le retournez à l'envers, en fait. Voilà. Les manches, je n'ai pas eu de problème non plus. Il fallait tricoter, il fallait monter 30 mailles pour chaque manche. Ensuite, du 1 à 12 rang, j'ai tricoté un point de côte. Et puis, du 13e rang, j'ai commencé à faire mes petites augmentations. Dans le 13e, 2 mailles, une augmentation, 2 mailles, une augmentation, etc. 14e, je tricotais comme il faut, enfin, selon le motif. Et donc à partir du rang 15 au rang 94, je tricotais un point en vert, un point de jersey en vert, sauf dans certains rangs qui ont le 9 à la fin, je devais faire des augmentations. Donc 2 mailles, une augmentation au début, 2 mailles avant 2 dernières mailles, une augmentation et 2 dernières mailles. Donc c'était des rangs, des augmentations, les rangs qui comportaient le chiffre 9, donc 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Et au 13e rang, d'ailleurs, j'avais pas dit, vous avez dû avoir 44 mailles avec toutes les augmentations que vous avez fait. Et donc au rang 89, vous devez vous retrouver avec 60 mailles. Voilà, vous tricotez ça jusqu'à la fin du rang, donc jusqu'à la fin du 94e rang, et vous rabattez les mailles. Ensuite, j'ai tout assemblé. Je sais, c'est assez speed comme explication, mais encore une fois, je vous le dis, c'était pas vraiment pour vous expliquer comment j'ai tricoté le pull. Mais comme je vous ai déjà promis de faire une vidéo, de vous présenter le pull que j'ai fait, et de vous faire une vidéo sur ce pull, et ben voilà, je le fais tout simplement pour vous faire un petit résumé concernant justement cette notice. Enfin, sur catalogue que j'ai reçu, et le fil et donc le pull en lui-même. Donc encore une fois, je suis un petit peu déçue par rapport aux explications. Je ne trouve pas que les explications sont assez claires concernant surtout le devant. Je pense que c'est un petit peu embrouillé, ou c'est moi qui me suis embrouillée, j'en sais rien. En tout cas, le dos et les manches, j'en avais pas eu de problème. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fil. Il est tout doux, il est vraiment très agréable à tricoter. Les aiguilles ou pareil. Bon, les aiguilles à coudre, à couture, je ne les ai pas utilisées puisque tout simplement j'ai encore les miennes, donc j'ai cousu avec les miennes. Mais je pense que ça doit être le même plaisir que les aiguilles à tricoter, et puis le fil, ça doit faire autant de plaisir de les utiliser. Dans l'ensemble, je suis contente, sauf que en fait, si j'avais fait la taille M, je pense que vraiment j'aurais eu besoin de plus de fils. C'était vraiment très très juste. Il me reste une toute petite pelote commencée. Voilà, une toute petite pelote entamée. Je vous représente de nouveau ces aiguilles. Et puis aussi, concernant tout ça, moi en fait ce que j'ai dû faire, c'est que moi, si vous voulez, j'avais commencé un point de côte avec les aiguilles numéro 4 et pas les aiguilles numéro 5 directement. Si j'avais commencé avec les numéro 5, je pense que j'aurais pas eu les restes de ma pelote. Donc pour vous dire, je trouve que c'est assez juste au niveau des fils. Bon. Peut-être que je rouspète pour rien, vous allez me dire, j'en sais rien. Après, ça dépend comment chacun tricote. Et encore une fois, je vous dis, moi, j'ai dû rallonger le pull. Si je ne l'avais pas rallongé, je ne sais pas ce que ça allait être. Et de 1 et de 2, j'aurais beaucoup de fils qui m'auront resté. Mais bon, c'était pas le but que je garde les fils. C'était plutôt le but d'avoir un bon pull. Le point sur lequel je suis assez déçue, c'est la longueur des manches. Je trouve que c'est un petit peu court. Et puis, la longueur du pull aussi, malgré que je l'ai rallongé moi-même. J'aurais dû faire de même avec les manches. Bon, tant pis, maintenant c'est fait. Je laisse comme c'est. On verra si ça va s'étirer avec le temps. Ou bien, si je ne voudrais pas le porter, je vais l'offrir à quelqu'un qui porte la taille S et non pas la taille M. Puisque ma taille, normalement, c'est le M. Le S, c'est assez juste. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. J'espère que vous avez apprécié quand même mon pull. Laissez-moi vos avis si vous souhaitez sur le pull. Les commentaires sur la vidéo, c'est pas nécessaire parce que ce n'est pas une vidéo d'explication. C'est une vidéo d'avis, tout simplement. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao.